Bonjour à tous. Et je vais inviter, bien sûr, nos partenaires. Donc, Madame Henry, donc pour adjointe à la mairie d'Avoine. Et, bon, avec un peu d'immodestie, on peut penser que l'Open International donne à Avoine une renommée internationale qui concentrera encore beaucoup plus de monde à l'avenir. Donc, merci à l'Open. Je tiens d'abord à vous remercier et à vous rendre un hommage, Monsieur le Président, pour l'organisation de cet Open, qui est un des plus grands rassemblements échiquéens quand même d'Europe aujourd'hui. Et je crois qu'on peut que se féliciter de cet événement. Merci Jean-Louis. Deux mots pour dire que la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire est toujours très heureuse d'être partenaire de cet événement et de mettre à disposition ses locaux, ses infrastructures, sa logistique et son personnel, que je remercie aussi, qui se donne toute la semaine aussi dans le cadre du Festival ludique en particulier. Et que je crois que tous les joueurs sont déjà impatients d'être l'année prochaine pour revenir. Donc au nom de la Fédération, je remercie beaucoup le club d'Avoine, son président, d'organiser aussi bien chaque année ce grand rendez-vous. Merci Jean-Louis. Extrême fierté d'avoir un tel tournoi sur la région. Des tournois 400 joueurs, on les compte sur les doigts d'une main l'été. Et puis, sur le côté convivialité, je crois même qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le numéro 1. Et merci à la trentaine de bénévoles qui ont assuré vraiment le succès de cette manifestation en préparant, bien sûr, la restauration à la buvette. Et je tiens à remercier spécialement Dominique. Bien, donc, lecture du palmarès dans l'ordre du classement général. Pour le classement général, à la première place, j'appelle le grand maître Fedorchuk Sergueï. Il gagne le tournoi pour la sixième fois. Nous excusons les deuxièmes et troisièmes qui ont dû partir pour un autre tournoi. Il s'agit du grand maître Mayorov Nikita et du maître international Stets Dmitri. Palmarès des féminines. Donc j'appelle madame Doluanova Evgenia. À la deuxième place, on trouve Dina Belenkaya. À la troisième place, Laurane Aubert.